J'ai dit oh, donc comme ça t'as engrossé la servante. Yeah. Hey, chérie, bonne arrivée. Merci. Mais dis-moi, c'est qui cette jeune dame? Oh, c'est Thérèse. C'est la nouvelle servante. Je l'ai fait venir pour qu'elle puisse m'aider dans les tâches ménagères. Oh. Non seulement c'est elle qui va prendre mon sac pour déposer dans la chambre conjugale, et puis c'est elle qui fait la cuisine dans cette maison. Mati. Non, chérie, tout sauf ça. Donc toi, tu veux rien faire dans cette maison, quoi? C'est quand même vrai. Ah, chérie, moi je dois travailler. Je n'ai même pas encore fini ce travail. Pourtant, je dois remettre ça ce soir. Non, tu déconnes, tu déconnes. Ça ne va plus durer. Quand j'aurai le temps, moi-même, je vais faire. Wow! Jésus! Thérèse! Oui, patron. C'est toi qui as cuisiné ce repas? Oui, patron. Hein? Mais tu es un cordon bleu! Délicieux! C'est tellement doux, délicieux! J'adore! Merci, patron. Fais la mode! Ah ah! Dis-toi la raison! Go, 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 go! À quoi? Wow. Il fait froid, hein? Oui, effectivement, c'est normal. En fait, c'est la climatisation NASCO. En moins de quelques secondes, ça glace la maison. Kuna Matata. Attends, mais que fais-tu dans ma chambre? Mon gars. C'est madame qui m'a demandé de le faire. Maman Nangai. Ah bon? Pas de soucis, vas-y. Regardez ce qui va se passer ici. Qu'est-ce qu'il y a? Expliquez-moi, je comprends pas. Il se tourne dans mon tête. Ne me dis pas que tu es enceinte, hein? Et ce n'est pas fini. Et c'est pas fini. Et... qui t'a enceinte? C'est patron. Et... tout est gâté. Quoi? Mensonge! Ce sont des mensonges! J'ai dit oh, donc comme ça t'as engrossé la servante. Yeah. Hein? Quoi? Oui, j'ai engrossé la servante. Je ne vais pas te mentir. Il fallait que cela arrive pour que tu puisses mesurer le danger et l'erreur que tu as commis. C'est pas ta faute si cela est arrivé. La servante était comme une épouse pour moi. Tandis que toi, tu étais comme une simple maîtresse avec qui j'avais des plans sexes et rien d'autre. La servante, quant à elle, elle prenait soin de la maison. Elle prenait soin de moi. Elle lavait mes vêtements. Elle faisait la cuisine pour moi. Elle arrangeait le lit conjugal. Elle était partout dans cette maison. J'avais besoin de ma femme. Je voulais que ma femme prenne soin de moi. Mais ma femme n'est jamais là. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Et sache que j'ai décidé de prendre la servante comme une deuxième femme. Yeah! Yeah! C'est tous. Yeah! Ça va plus arriver, s'il te plaît.